Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Et nous revoilà pour la deuxième partie de ce test. Nous retrouvons donc notre ami Andrea, hein, que vous connaissez bien si vous suivez ma chaîne. Sinon, bah, je vous le présente. Andrea, disponible, quand vous voulez, où vous voulez. Il va donc lui tenter de séduire la femme de ménage squelette. Voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut la draguer? Est-ce qu'on peut faire crac-crac avec elle? Et est-ce qu'elle peut éventuellement faire des enfants? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc j'ai pris la même maison que précédemment avec ma Simself. J'ai même gardé tout ce qu'il y avait dedans. Donc comme ça, il va gagner du temps, hein, Germain, là. Et il va faire comme j'ai fait avec ma Simself, c'est-à-dire que je vais le mettre tout de suite à la compétence médium pour pouvoir invoquer justement le nouveau PNJ. Ça y est, il a enfin atteint le niveau 3 de la compétence médium. Il va donc pouvoir invoquer Bonhilda. Et comme si lui aussi il savait un peu ce qu'on attendait de lui, il vient de se mettre en état enjôleur. Plus ou moins tout seul, j'ai pas tout compris. Bon, bah, ah oui, c'est parce que s'il est romantique. Il est romantique, c'est. Eh ben écoutez, on va aller l'invoquer tout de suite, hein, Micheline, là. Allez, go. Allez, viens, non mais ça va, ça va. Laisse tomber les morts. Enfin, les autres. Hein, invoque celle-là, déjà, c'est pas mal. Allez, tu l'appelles. C'est quoi ton 06, tout ça? J'ai peur que ça soit tellement la même arnaque avec Guidry. On va voir. Non mais c'est aussi ça. Vous voyez les trucs pour la science, c'est que des fois ça marche, puis des fois pas. Et salut, ça va? Ouh, toi aussi, tu es enjôleuse? Ben, ça va gagner du temps, hein, voilà. Ah bah oui, bah allez, hein. Non mais visiblement tout le monde sait pourquoi il est là, hein, c'est génial, moi je valide. Si ça peut aller plus vite, hein, on est parti, hein, complimenter l'apparence, bah. Mais que tu es belge. Et ce petit tablier, du dernier chic. Du coup là je vais accélérer un petit peu, on va la draguer, on va la draguer. Et voilà, ni une ni deux, nous partons pour un premier baiser, échangé sur une plage en été. Alors attention, il faut bien se placer tout ça. Attention, attention, attention. Ah, c'est un quoi se péter les dents, ça. C'est si t'arrives trop vite, bam, tu te casses le nez ou un truc comme ça, quoi. Bon, ça c'est fait. On va essayer de pousser un peu plus l'expérience. Ah, déjà on peut faire crac-crac, est-ce qu'on peut faire un bébé? Alors tiens, déjà demander d'être sa petite amie, hein, c'est bien. Alors je crois qu'elle non plus, on peut pas la faire emménager, du coup j'ai un peu peur pour le faire un bébé. Oui, ouh, allez, ouais, génial, hein, selfie. Ah mais on peut juste faire crac-crac en fait. Ah, c'est pas cool, c'est vilain. Non mais c'est quoi ces expériences scientifiques là qui tombent à l'eau, je suis pas d'accord. Caresser la joue. Elle te fait pas mal aux doigts non plus, hein. Ah, j'y ai cru. Oh, j'y ai tellement cru. J'ai vu deux crac-crac, je me suis dit c'est bon. Ah, ce jeu me troll, c'est moche. Allez, go. Bonjour mademoiselle. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que... Oui, elle est passée où la meuf là avec les os apparents? Qu'est-ce que... Qui c'est? Qui êtes-vous, jolie rousse? C'est mieux que ce qu'on avait jusque-là, quand même. C'est pas mal. Par contre, c'est quoi cette coupe de cheveux? J'avais pas fait gaffe, c'est pas possible. On verra ça après. C'est pas mal. Eh? Et vous êtes sûr, on peut pas faire de bébé avec ça? C'est pas envisageable. Non, parce que c'est... Qu'est-ce que... J'aurais peut-être dû emmener machin sous la douche. Bah, je l'ai emmené sous la douche, lui, il a pas changé. Mais qu'est-ce que... Pourquoi? C'est mignon, ça, ça peut le faire, non? C'est donc, en fait, ouais, effectivement, du coup, c'est un costume. Du coup, c'est bizarre qu'elle puisse pas... Bon, alors, j'imagine que c'est parce que c'est un PNJ. Ah, ouais, elle est moins bien, là. Retourne sous la douche, madame, c'était mieux. Bon, je suis quand même allée voir dans le CS à quoi elle ressemblait, en vrai. Elle est plutôt pas mal, c'est dommage qu'on puisse pas faire de bébé. Dis, tu veux faire un bébé? Ah, alors, attendez, attention, mise à jour. En fait, j'ai tenté quelque chose. C'est que je suis devenue un peu plus amie avec... avec Micheline là, avec Ginger là, et en fait en devenant plus amie, l'option essayer de faire un bébé est apparue. Donc nous allons tenter de faire un bébé. Le seul problème c'est que comme je ne contrôle pas ce PNJ, comment cela va se passer?
C'est-à-dire que est-ce qu'elle va pas vraiment être enceinte et est-ce qu'elle va se barrer avec mon bébé? Tout ceci dans le prochain épisode. Et du coup, je me demande si pour ma Simself tout à l'heure, c'était pas aussi un problème d'amitié. Donc je vais retourner faire un petit complément d'enquête du côté de la Simself dès qu'on aura fini avec Andrea. Et s'il faut, je rajouterai... Et oui, on a compris, t'es chaud comme la braise. T'es chaud comme une baraque à frites. De toute façon, on va tenter plusieurs fois parce que comment avoir pour lui faire un test de grossesse, ça serait quand même con que ça marche pas. Hein, normalement, c'est Andrea, il tire pas à blanc. Mais dans le doute... Je sais pas si avec l'MC Command Center, je peux le voir si elle est enceinte. Ça sera affiché quelque part ou... Je sais comment je peux faire. Attention, il y en a là-dedans. Si je vais dans le CAS, si elle est enceinte, je pourrais... Si elle, j'allais dire, si elle est enceinte, je pourrais pas la changer d'âge. Donc, effectivement, elle est enceinte. Ouh. Ouh. Je suis ravie parce qu'au pire, ça veut dire qu'il y a quand même une des deux expériences scientifiques qui a fonctionné. Hein? Voilà, c'est bien, c'est bien. Allez, retourne-y, c'est bon. Oui, c'est tout ce que je voulais savoir, que tu étais enceinte. Donc, par contre, du coup, est-ce qu'elle va repartir avec le bébé? Est-ce qu'elle va l'avoir dans la maison? Est-ce qu'on pourra le contrôler, le garder? Vu qu'on ne peut pas la faire emménager, je sais pas. Je vais continuer à jouer de mon côté et puis je vous mettrai à jour. Voilà, on revient dans... Je reviens vers vous dans 3 jours Sims et on voit ce que ça donne. Alors, j'ai avancé un petit peu dans ma partie. Et je vous l'accorde, c'est pas flagrant quand on regarde Bonilda, mais je vous confirme qu'elle est bien enceinte. Puisqu'il peut toucher le bébé, j'ai essayé de faire un crac-crac, et donc quand elle quitte son déguisement, elle a bel et bien son ventre de femme enceinte. Donc d'après mes calculs scientifiques, attention, elle est censée avoir son bébé aujourd'hui, 19h, donc l'heure est passée, il s'est rien passé, donc normalement non. Ou demain, voilà, aux alentours de 19h. Donc, je vais la renvoyer chez elle et je vais la réinvoquer aux alentours de 15-16h pour voir ce qui se passe. Moi, je pense que tant qu'elle sera invoquée, elle n'accouchera pas. Et que donc, elle risque d'accoucher hors de la maison et on risque de ne pas pouvoir récupérer le bébé. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Déjà, elle est enceinte. Youhou ! L'heure est grave. Ça y est. Ça y est, c'est le moment de l'accouchement. Donc elle commence à faire... Et lui commence à être en panique prénatale. Donc c'est bon signe. Moi, j'ai fermé la porte à clé. Pour pas qu'elle se sauve. Donc, est-ce qu'elle va accoucher dans le salon ou pas? On va le savoir. Hein, parce que en général, quand elle commence à avoir mal, elles accouchent dans les 2 heures qui suivent. Donc, let's go. Non mais c'est pas le moment là, on va voir un bébé. Tu peux revenir plus tard s'il te plaît? Toi tu fais pas des bébés mais nous on fait des bébés là. Allez on accélère, 21h12. Vas-y fouf fouf. Poussez madame, poussez. Allez 22h27, 31. Je dois vraiment y aller? Non, absolument pas. Et 22h40 et elle a pas accouché. Et je pense qu'elle ne peut pas accoucher ici. On va la laisser partir, cette pauvre dame. Je sais pas du tout comment ça va se passer là. Je pense qu'en fait, le bébé va naître je ne sais où. Et qu'on n'y aura juste pas accès, quoi. Voilà, donc là, elle s'en va. Elle reçoit un coup de fil. Bébé né. Bonjour Andrea. Ici Bonilda. Je voulais vous annoncer la naissance de Caroline, une magnifique fille. Mais je suis ravie. Tu peux la ramener? S'il te plaît. Donc voilà, on a bien eu un bébé, seulement le problème c'est qu'on peut pas le faire venir. Donc je pense qu'en fait, on peut faire un bébé avec Bonilda. Le problème c'est qu'après, tant qu'elle sera pas enfant, je pense qu'on pourra pas la faire venir. À moins que... Je vais essayer d'aller voir dans le modifier les foyers, voir si je peux la faire emménager. Je vais aller voir si elle apparaît peut-être dans la boîte des familles, etc. Voir si je peux la récupérer. Alors, vérification faite, le bébé n'apparaît pas dans gérer les foyers, donc je pense qu'effectivement la seule solution c'est d'attendre que ça soit un enfant pour pouvoir récupérer sa fille plus tard.
Mais pour l'instant, je ne peux malheureusement pas le faire. Donc, c'est un succès, mais en demi-teinte. On peut faire crac-crac, on peut nouer une relation avec Bonilda, on peut lui faire un enfant. Mais après, il n'y a rien qui est trop prévu pour récupérer le bébé. Donc, il faut juste attendre. Après, avec le MC Command Center, bien sûr, il y a toujours moyen de récupérer. Mais c'est un mode extérieur. J'aurais aimé le faire. Mais ce que je veux dire. Voilà, bah écoutez, c'en est fini de cette expérience scientifique. J'espère que je vous ai apporté quelque chose, hein, comme d'hab. Hein. Quelque chose que vraiment, enfin j'imagine que sans ça, vous n'auriez pas dormi ce soir. Donc voilà, il était de mon devoir de vous en parler. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, suivant l'heure qu'il est chez vous quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo pour la science ou bien pour mes lives sur Twitch régulièrement. Allez, ciao tout le monde, gros bisous!